Salut les loulous! Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du temps. Outre son caractère intemporel, aviez-vous remarqué que le temps est une question vaste qui mérite que l'on prenne le temps de l'étudier? Aujourd'hui, quitte à perdre un peu de temps, nous allons donc parler de ce sujet aussi vieux que les vieux philosophes grecs. Un sujet qui, au cours du temps, a su poser des questions plus chronophages que celles sur l'espace, et qui pourtant, encore aujourd'hui, reste une énigme de tous les temps aux yeux de nos contemporains. Mesdames, messieurs, parlons science, le temps. Bien, par où commencer? Ah oui, commençons au commencement. Ouais non, peut-être pas si loin. Alors, au tout début des civilisations occidentales, le temps c'est quoi? Alors, selon les définitions de Platon, le temps c'est... le mouvement du soleil, ou plutôt la mesure de celui-ci. Ah, d'accord. Mais bon, précisons que quand je dis les définitions de Platon, je ne parle pas de ce qu'il en pensait au fond de lui, mais d'un ouvrage de l'Antiquité qui s'appelait littéralement Les Définitions, et officiellement signé par Platon. Pourquoi officiellement? Bah parce que je me dois aussi de vous préciser que techniquement, on ne considère pas toutes les définitions de cet ouvrage comme étant celles de Platon. D'ailleurs, certains pensent même que cet ouvrage est carrément celui d'un autre philosophe, successeur de Platon. Bref, on n'est pas pour faire de l'histoire, donc passons. À base, nous avons donc ce mot, qui parle de la course du soleil. Il s'agit donc à l'époque plus d'une mesure arbitraire pour convenir d'horaire que d'une véritable entité physique à part entière. Non, là-dessus, c'est plutôt Newton qui va faire énormément bouger les choses entre deux. Alors oui, ceux qui connaissent déjà la question me diront qu'il s'est déjà passé maintes choses entre deux, mais je retrace les grandes étapes de l'histoire afin d'en arriver rapidement à ce que nous en savons aujourd'hui. Donc Newton, disais-je. En dehors d'une sombre histoire de pommes que nous n'aborderons pas aujourd'hui, il a également statué sur la question du temps. Enfin, pas vraiment, puisqu'il n'a jamais tenté d'expliquer de quoi il s'agissait. Clairement, Newton tenait plus du mathématicien que du physicien, pour moi. Parce que, qu'il parle de gravité ou de temps, il savait faire de belles équations qui fonctionnaient, certes, mais il reconnaissait lui-même qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était vraiment et que, je cite, « Il appartient à Dieu de répondre à ces questions. » Bref, il a néanmoins proposé un modèle mathématique qui fonctionnait. Ce fut le premier à placer le facteur temps dans ses équations. Le premier donc à le reconnaître comme un facteur physique et non un simple concept d'un point de vue mathématique. Seulement voilà, les équations de Newton sont réversibles, ou invariantes par renversement du temps, comme qui dirait. Mais l'invariance par renversement du temps, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement ce que l'on appelle aussi renversement du temps ou symétrie T. En fait, les équations de Newton admettent d'un point de vue mathématique qu'une scène puisse se rembobiner. Pour vous la faire courte, quand vous mettez du sucre ou du lait dans votre tasse, mathématiquement, il peut à tout moment se reformer en surface sous sa forme originelle. Donc pour résumer, du point de vue de Newton, le temps est introduit mathématiquement sans avoir eu de mise en évidence lors d'expérimentation. Ce temps se trouvant être une chose, une entité physique que Newton lui-même ne cherche pas trop à définir, et qui à tout moment peut se rembobiner sans que cela ne contredise la mécanique newtonienne. Autrement dit, c'est un outil mathématique utile, mais pas grand chose de plus. Pourtant, puisque l'idée d'une entité physique portant le nom de temps existant bel et bien est déjà largement implantée, personne ne va chercher plus loin. D'autant plus que pour l'époque, la mécanique newtonienne marche remarquablement bien, avec une précision absolument inégalée avant elle. Là-dessus, c'est Einstein qui va poser les questions qui font mal. Einstein, et on ne va pas faire sa biographie ici, est à la base surtout intéressé par la lumière. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'on en sait, c'est que la lumière a une vitesse fixe, une vitesse constante qu'on a appelée la vitesse de la lumière. Et c'est là que la vision newtonienne du temps va poser problème. Bah oui, parce que là où vous, quand vous rêvassez, vous vous imaginez en train de manger des gaufres, de bonnes et succulentes gaufres, moelleuses, généreuses, encore tout juste chaudes, là où vous vous rêvez de merveilles, lui, Einstein, va imaginer être un rayon de lumière, ou aussi parfois être à cheval sur un rayon de lumière,
Chacun ses fantasmes, hein, on ne juge pas. Mais c'est là que Einstein va se poser une question très intelligente. Temps absolu, espace absolu. Et comme ça a été démontré un peu plus tôt, surtout par Maxwell, la lumière possède une vitesse constante. D'où le fait que parfois, par flemme, on appelle ça la vitesse de la lumière. Sauf que Einstein, avec son histoire de dada sur la lumière, bah il va penser à un truc. Si la lumière possède absolument une vitesse constante, quel que soit le point de vue ou référentiel comme on appelle ça. Ça veut dire que si je chevauche un rayon de lumière et que je vois un second rayon de lumière passer à côté de moi, alors ce rayon, par rapport à moi, doit aller à la vitesse de la lumière. Or, un rayon qui va à la vitesse de la lumière, par rapport à un second rayon qui va lui aussi à la vitesse de la lumière, va donc deux fois à la vitesse de la lumière par rapport au sol, non ? Donc la vitesse de la lumière ne peut pas être constante pour tous les observateurs. Et pourtant, elle l'est. Comment résout-il cela ? Mais de façon assez simple, voyons, il va dire que l'écoulement du temps, en fait, dépend uniquement de la vitesse de l'observateur. Oui, bon, elle est un peu dure à avaler, celle-là. Enfin, pour être plus précis, il parle de contraction de l'espace, et plus tard, il sera même question de masse. Mais cette vidéo ne porte pas précisément sur la relativité d'Einstein. Si vous le voulez, demandez-le en commentaire et je vous la ferai. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que l'écoulement du temps dépend de l'observateur. Ça peut paraître compliqué d'un point de vue physique, et nous verrons cela si vous le voulez dans un épisode dédié, mais en réalité ça a été d'autant plus ardu à aborder en philosophie des sciences. Et là vous allez me dire, mais la philosophie des sciences, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la philosophie qui parle des sciences. Bon, d'accord. Wikipédia dit, la philosophie des sciences est la branche de la philosophie qui étudie les fondements philosophiques, les systèmes et les implications de la science. La philosophie étant la science des énoncés, en parallèle la philosophie des sciences et la science des énoncés scientifiques. La philosophie des sciences questionne la science, et aussi l'épistémologie, l'ontologie des objets de la science, l'histoire de la science, toutes les disciplines qui interagissent avec la connaissance scientifique. Bref, cette histoire de temps relatif, ça a pas mal mis le zbeul dans cette histoire. Mais je vais vous sauter le passage des débats passionnants que cela a déclenché pour arriver directement à aujourd'hui. En effet, si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est pour vous livrer un message bien précis que bien peu de profanes de la science connaissent. En effet, sur la base de ce changement radical de philosophie vis-à-vis du temps, une nouvelle idée a fait son bout de chemin en physique. Je vais laisser Marc Lachaiseret, directeur de recherche au CNRS, le dire avec ses propres mots lors d'une de ses conférences. Que, du point de vue de la physique moderne, le temps ça n'existe pas. Il y a d'autres notions qui ressemblent à celles du temps, et à partir desquelles on reconstruit celle de temps, mais ça n'est qu'une reconstruction. Et bien sûr, cette conférence est disponible dans son intégralité en description, je vous recommande chaudement d'aller la voir. Alors bien sûr, je ne vais pas balancer ça comme ça, puis me barrer, je suppose que cela mérite quelques explications. Mais tout d'abord, je vais distinguer deux choses. Nous n'allons pas ici confondre entité fondamentale et émergente. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Eh bien, en réalité, c'est très simple. Si je parle d'un temps qui existe au niveau fondamental, je dis en fait que le temps est une entité physique, une dimension, un objet, une substance qui existe concrètement en physique. Par contre, si je dis que le temps n'existe qu'au niveau émergent, je dis que le temps social, entre guillemets, existe, c'est-à-dire le concept d'heure et de jour qui permet de se donner rendez-vous ou de mesurer des durées, mais que le temps n'est au final qu'une convention sociale, rien de plus. Et que donc, en physique, il n'existe rien qui soit proprement parlé du temps. Donc avant que vous ne postiez votre commentaire qui parle de votre montre, votre âge, votre calendrier ou que sais-je encore, dorénavant quand je dirai que le temps n'existe pas, on admettra que j'entends qu'il n'existe pas au niveau fondamental. Évidemment que socialement et psychologiquement, le temps existe. Bon, avant tout, et les meilleurs d'entre vous l'ont peut-être remarqué, il y a une erreur fondamentale dans l'hypothèse d'un temps physique existant. Eh bien c'est ça justement. C'est que ce n'est qu'une hypothèse. Rappelez-vous, nous avons parlé de la méthode scientifique déjà. Et pourtant, les scientifiques ne sont pas infaillibles, car l'existence du temps n'a jamais été mise en évidence. Bah oui, avant même de parler, comme Marc Lachaiseret le fait si bien, des implications de la relativité du temps sur la notion de temps lui-même, il faut en revenir là d'abord. Lors de sa conférence, il aborde rapidement ce point, mais à mon humble avis, beaucoup trop vite et avec beaucoup trop de légèreté. Le fait qu'il existerait un temps physique, une entité fondamentale de la physique occupant cette fonction, n'a jamais été démontré, d'aucune façon que ce soit. Le temps n'a jamais été détecté ou mesuré.
Bon, et là, j'entends déjà ceux qui répliquent « Oui, on vieillit, alors on sait que le temps existe, oui, ma montre, elle mesure le temps !» En fait, vous êtes tellement habitué à penser avec ce modèle que vous ne vous rendez même pas compte qu'il n'est pas nécessaire. Alors faisons une expérience de pensée. Imaginons un univers de fantasy, d'accord? Dans cet univers, chaque atome possède une charge magique qui lui permet de se déplacer et d'évoluer dans l'espace, même si le temps est figé par un magicien. Puis, un magicien très puissant fige définitivement le temps, grâce à un sort très puissant. Sauf que puisque tous les atomes peuvent continuer à évoluer normalement grâce à leur magie, le monde continue de tourner normalement. Bah voilà, si vous avez réussi à suivre mon histoire, vous savez à quoi ressemble le monde réel. En fait, le temps n'est pas nécessaire pour que les choses bougent ou évoluent. Si c'est déjà une capacité intrinsèque de la matière au sein de l'espace, nul besoin de rajouter une sorte de moteur divin indétectable qu'on appellerait le temps. Et vite fait, pour parler de la montre, elle mesure une durée, pas le temps. Déjà parce qu'elle mesure en secondes, et que c'est une unité arbitraire. Ensuite parce que si je désynchronise ma montre en changeant l'heure dessus, elle continuera à mesurer la même durée, d'environ une seconde, toutes les secondes, mais n'indiquera plus du tout la bonne heure. De plus, encore une fois, si les composants de la montre possèdent d'eux-mêmes la capacité de se déplacer dans l'espace sans avoir besoin de l'existence du temps, comme moteur divin, alors une montre marche aussi bien sans temps qu'avec temps. Bon, avant de finir, je vais néanmoins nuancer un peu le propos. Contrairement à ce que laisse entendre Marc Lachaiserie avec son affirmation, la non-existence du temps est loin de faire l'unanimité au sein du monde de la physique. C'est encore une idée en cours de débat à l'heure actuelle, mais si je puis me permettre d'ajouter mon petit avis, ceux qui tiennent la position de la non-existence du temps sont largement plus légitimes dans leur démarche, au nom de la méthode scientifique. Je le rappelle une fois de plus, une simple hypothèse sans la moindre démonstration, détection ni mesure, ça ne doit rien valoir en science. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors prenez soin de vous, et à très bientôt.